Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons continuer donc Train 2, j'espère que vous allez bien et sans plus attendre, nous commençons. Libérés de l'emprise du ver des sables géants, Amadeus, Pontius et Zoya se mirent à réfléchir à la suite de leur aventure. Continuons, nous devons retrouver Margaret au plus vite. Qui sait ce qu'il lui inflige? Amadeus n'osait imaginer quel sort les gobelins avaient réservé à sa femme. Et en l'absence du Train, ils devraient retrouver Margaret eux-mêmes. Ça va être très intéressant, à mon avis. Oh, de l'air frais, enfin. Il paraît que le roi Wiz a établi une base sur les îles suspendues. Et nous, on est coincés ici dans le froid à rechercher des morceaux de ferraille. C'est pour la super machine qui va détruire les villes humaines. Attends. Qui va là? Pontius. Bon bah voilà, hein, ça commence déjà assez bien, donc on sait que les gobelins veulent détruire les humains en fait. Hein. Regardez le panneau, si on pouvait voler, on pourrait rejoindre les îles suspendues. Mais il faut qu'on retrouve Margaret ou ils la tueront. On irait plus vite. Je trouve ça vraiment bizarre. Voler sans elle ou sans magie, ce n'est pas naturel. La magie, c'est pas vraiment naturel, forcément. Donc, tu dis un peu de connerie, Pontius. Mince. Oh! Salut, go! Bon d'accord, j'ai compris. Ça va se casser la figure. Ok, on va le poser délicatement. J'ai dit délicatement. Pontius. Oh. Lolololololol. Ça commence bien avec lui. Oh. En tout cas, la musique, elle est superbe. Je sais pas ce que vous en penserez, si vous avez envie de le dire dans les commentaires. N'hésitez pas, hein, n'hésitez pas. Oh, bof. Tant pis, c'est pas grave. C'est juste qu'un peu d'expérience. Hein. Puis là où on en est, ça va. On n'a pas forcément besoin de beaucoup plus d'expérience. Il y a des dragons ici. On était sûr. Oh, et il fait mal lui. De toute façon, Zoya n'a plus beaucoup de vie. Mmh. Ah voilà, comme ça, c'est tranquille, on peut passer. Alors... Ouais, d'accord, ça fonctionne pas comme ça. J'ai compris.
suis en train de me demander si ça, ça sert à s'accrocher. Non. Ok, bon, ça, c'est pas pour s'accrocher, donc on va éviter de se faire embêter. Donc on va reprendre notre... Ah bah non, d'accord. Et voilà. Bon, on va aller chercher l'expérience ici. C'est vrai qu'il y avait le bouclier qui m'intéressait. Mais bon, après... Prison pour monstres, ça peut être pas mal aussi, peut-être. Wow. J'ai une baisse de frame d'un coup. Faut que je regarde quelque chose. Non, ne le fais pas tomber. Alors, je pense que ça devrait être comme ça. Hein. D'accord, oui, bah c'est à peu près comme ça alors qu'il faudrait passer. Ah, mais ça, ça va m'embêter. Bien sûr. Ah mince, un poil. Je l'avais. Dommage. Oh mais pourquoi il passe au même moment? Abusé. Non c'est bon. Non. Pourquoi je glisse? Ah bah voilà. Oui je sais, j'ai lutté. Hein. Un golem. D'accord. Oui, c'est génial. Comment je fais pour l'esquiver? Ah, d'accord, faut passer en dessous. Voilà. Bon bah ça a été plutôt assez simple. J'ai vraiment bien fait avec Zoya de prendre les flèches de feu avec les flèches explosives. Ok, bon. Ah ouais. Bon ça va, c'était pas trop compliqué, ça passe. Hop là. Bon, y a peut-être
marques que je laisse à faire, non? Voilà. Je suis en train de réfléchir. Ah, peut-être. On va sauter ici et après voir comme ça. Ah voilà. C'était pas trop compliqué. Tu vas me laisser toi. D'accord. Combien de flèches il faut toi? 6. Ah ouais, carrément. Je vais mourir. Je l'avais dit, hein. Ah ouais, c'est pas comme ce que je pensais. Non, 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 non. Oh mince. Ah, je savais pas qu'il y avait des champs pipi. Bon, bah, c'est pas grave. Moi je le serai pour la prochaine fois. Ce qui veut dire maintenant. Laissez-moi tranquille. Mais ah mais laissez-moi passer. Bon ok. Je vais pas me laisser passer, je passe. Hein. On va laisser. Hop là. Bon, alors ici. Non, je pense voir ce qu'il faut faire à peu près. Ah mais non. On dirait que ça n'avait pas le même temps. Oh ouais, moi je lutte pour ma survie. Tu veux que j'en fasse quoi ici? Ok. Laisse-moi tranquille. Ok, donc ici. Mince, j'ai pas sauté assez haut. Non. Bon, j'essaie de récupérer l'expérience, tant pis. Mince. Oh. Ah, ils veulent pas, hein, ils veulent me troller. C'est pas grave, je récupère au moins ça. L'expérience pourra être bienvenue si je peux la choper. Hein. Enfin, si je la chope pas, c'est pas très important dans un sens. Sauf que là, vous me mettez des bâtons dans les roues. Bon, je pense que je vais prendre Amadeus, ça ira plus vite. Hein. D'accord. Bon bah j'ai quand même réussi mais... Ah punaise.
Oh, il m'a fait complètement tomber, lui. Satanée boule de neige. Ça, ça fait mal. Ah, mince. J'aurais dû me retourner tout de suite. Alors. Yes, j'ai eu. Allez, on y va, continue. Ouh, je t'ai bien visé là. Hop là. C'est pas avec ta lance que tu vas me faire vraiment beaucoup de mal. Parce que moi, en 2 secondes, je te désingue. C'est vrai qu'on avait trouvé des bons décors avec de la neige, mais là, c'est encore mieux. Comment je fais? Ah, pas comme ça en tout cas. Bon. Et c'est les rochers qui nous embêtent. Mais pourquoi ça peut pas fonctionner? Je suis en train vraiment de me demander comment je vais devoir faire. Hein. Bonne question. Je sais pas de... Ah, peut-être. Un assaut suicide, c'est peut-être là où on est obligé, je sais pas, parce que j'arrivais pas à m'accrocher. Ça y est, c'est parti. Des wyvernes, allez-vous-en, démo. Mince. Voilà, comme ça vous nous embêterez plus. C'est bon, maintenant nous pouvons y aller. Et mince. J'ai pas fait attention, j'aurais dû sauter, mais bon, ça arrive, c'est des petits soucis. C'est vrai que les décors, je trouve que sur l'extension de ce Bon Train 2, sont vraiment magnifiques. C'est bon. Encore. Voilà. Pas chaud ici. C'est bon.
bon, c'est qu'il y a ça ici à faire. Donc là, j'ai bloqué. Faut que je réfléchisse. On va voir. C'est peut-être à cause de l'eau que je peux pas passer là. Voilà. Ah, c'est pas ça. Ah. Bon, bah, en tout cas, on a trouvé quelque chose, mais c'est pas totalement ça. Génial. Maintenant, je fais comment? Faut chercher. Je sais qu'il doit avoir un truc, certainement pas zéro. Il va pas me falloir quand même ce que je pense. Comment je fais pour aller chercher? Ah d'accord, on peut quand même utiliser le marteau pour les trucs sous l'eau. Voilà, bah ça je ne le savais pas. C'est sympa quand même de le savoir. Bon, à mon avis, oui, c'est ça. Donc on doit poser le fameux tonneau et on va devoir... Ouais, ok. Bon. Bah voilà. Ok. Bon. On va dire que ça a été assez facile. Bon, pas rapide, mais facile. C'est plus ça, oui, merde, qui me fait peur. Ah voilà, ça t'a vite calmé quoi. Alors j'ai visé au hasard, j'ai réussi. Ok, bon bah. Je déteste ces trucs-là. Ouais, voilà, c'est fini. Pas envie de m'embêter plus longtemps, hein. Machine fera l'affaire. Elle a des ailes en métal. Elle n'a pas l'air tout à fait opérationnelle. Pas encore.
Tâchons d'arranger ça. Oh, je me demande vraiment ce qu'on va devoir faire. Je pense qu'il doit y avoir plusieurs étapes encore. Ok. Mince, j'ai même pas vu. Pas grave. Alors. On a une des ailes. Pourquoi ça? Ah, punaise. Ils peuvent pas me laisser un peu tranquille. Et ça enlève quand même la moitié de la vie, c'est abusé là. Donc là, on est certainement à la fin du niveau bientôt, mais il faut réfléchir. Non, j'ai pas trop envie de magnétisation, un truc comme ça. J'ai plus envie de passer ici. Ouais, de toute façon, je peux pas faire autrement pour pouvoir repasser, parce que si je répète, je vais devoir les refaire. Qu'est-ce que c'est que ça ? En tout cas, c'est pas attrapé, donc je me pose la question. Ok. Là, c'est sûr, c'est pas comme ça. J'ai peut-être une idée. Pour ça, je vais prendre Pontus. Ok. Ah mince, j'avais peut-être presque trouvé. En tout cas, je sais que je vais prendre Pontus.
peut-être. Non, ah ben. Ça va pas être facile, hein. Là, je sais vraiment pas comment je vais faire. J'avais peut-être une idée avec Pontus, mais... Non, 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 non. Meurs pas, mon petit. Ouais, bon. Je vais rechercher de la vie. Essayer de sauter quand même sur le truc et de tenir dessus. Non, 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 non. Ne tombe pas, ne tombe pas, ne tombe pas. Un peu casse-tête quand même. Hein. Pour les mecs, ils auront certainement déjà trouvé, mais. Pas moi. Ah non. Oh le vilain. Bon bah là je vais mourir. Hein. C'était forcé. Voilà. J'ai trouvé comment monter, mais je ne sais pas encore comment faire. Même si je prends le marteau, ça va être pareil. Attendez, il y a peut-être quelque chose à faire. Hein. Oh, faut rigoler là. Ah voilà, j'ai trouvé. Il a fallu du temps, mais on réussit toujours. Maintenant, on va s'aviser de ne pas mourir. On va s'envoler. Mettons le cap sur les légendaires îles suspendues. J'ai toujours rêvé d'y aller. Ce n'est pas naturel. Qu'est-ce qui nous empêchera de nous écraser? Bonne question. Oh, Margaret. Tandis que les héros volaient vers les îles suspendues, les larbins de Wheeze observaient avec inquiétude une mystérieuse aura lumineuse qui avait surgi de nulle part. Elle enveloppait Margaret, à l'instar de la lumière qui irradiait de la mégère.
Selon les anciennes légendes gobelines, celle-ci apparaissait sur Terre pour punir les vilains gobelins. Donc voilà, nous irons donc dans les îles suspendues dans un prochain épisode de Train 2. J'espère que voilà, ça vous aura plu. Bon, je vous avoue que j'ai lutté un petit peu là, vers la fin du niveau, mais il faut toujours essayer de réfléchir un minimum. J'ai eu du mal à faire ce que je voulais faire, mais bon, c'est pas trop grave. On a réussi, c'est le principal. Donc voilà les amis, on se retrouvera donc à très bientôt, et je vous dis salut à tous.